Moi je vais être le réalisateur. Là faut trouver une fille.
pas toujours un chat, maman. On s'en vient faire un film! Ouais, un film d'horreur! Mais l'affaire, c'est que... on aurait besoin d'une actrice. Ouais. Bon, ben c'est super cool! Ben oui, je vais le faire! Cool! Cool! Yeah! Oh, vas-tu voir Marie-Sylvaine? J'ai pas grand-chose à perdre. Pourquoi Marie-Sylvaine? C'est pour un devoir. Il y avait quelqu'un qui était supposé m'aider, mais... Oh, excuse-moi, Rose. Vraiment, j'ai oublié. C'est pas grave. Ah non, mais c'est super pas. J'avais pris la peine de me mettre une petite note en plus. Ben, t'as dû oublier de relire ta petite note, bon? Il a peut-être oublié où ce qu'il l'avait collé. Ah non, non, ça, je m'en souviendrai. Ben oui, je le sais, il l'a collé dans un bac de récup. Bon, ben, bye, les artistes. Bye. Bonne chance avec ton devoir. Ah oui, bonne chance. Ouais. Bonne chance avec votre film. Merci. Ouais, merci. Hey, ça, hey, va, ça être... va être malade! Hey, sors la caméra. Oui. Hey, elle est pareille comme celle de mon père. Hey, es-tu bonne? Oh, oui, certain qu'elle est bonne. Ah ouais. Je connais toutes les fonctions en plus. Qu'est-ce que ce bouton-là? C'est quoi l'histoire juste? OK. En tout cas, t'as bien fait de choisir l'Argentine. T'es déjà allée? Non, mais... Hola! Ah, Eva! La Rose! Allô? Vous vous connaissez? Bien sûr. C'est elle qui garde les bœufs pour les piques. Oh, ben oui, c'est vrai. La meilleure gardienne des bœufs de tout le monde. Oh, je suis en train de mettre sur pied un cours de cuisine sud-américaine. Puis si ça marche, Eva va le donner avec moi. Ah, je t'ai apporté les empanadas. Oh, merci. Ils sont encore tout chauds. Mmh, des quoi? Des empanadas. Tiens, goûte. C'est quoi? Ce sont déjà de petits chaussons farcis. Ceux-là sont au bœuf, mais on en fait aussi à toutes sortes de choses. Mais ça sent super bon, en tout cas. Mais c'est super bon. Gracias. Tiens, ton objet, ça pourrait pas être un aliment? Qu'est-ce que c'est? Rose a un petit devoir à faire. Faut qu'elle présente un pays en parlant d'un objet qui le représente bien. Ah, mais ça, c'est sûr. C'est très bien, Sandy Empanada. Ça représente très bien l'Argentine. Il n'y a pas un Argentin qui ne sait pas c'est quoi. C'est comme ici pour les... La poutine? Si. Et qu'est-ce que tu avais besoin de savoir au juste? Ah, ben, faudrait un petit peu que je parle des empanadas, puis ensuite, la langue, le pays, la monnaie... puis la capitale. Bon, mais si tu veux, on peut faire une petite réunion à la maison. On prépare les empanadas et on parle de tout ça. Oh, ben, j'aimerais vraiment ça, mais je suis un petit peu à la dernière minute. Ça me rappelle mon chien de temps. J'étais toujours à la dernière minute. Oh, mais c'est pour demain. Aïe! Oh, c'est ça qui est plate. Alors, si tu veux, on peut faire ça aujourd'hui. Cool! Hein? J'ai juste une petite course à faire avant et après, on se donne un rendez-vous dans une demi-heure. Ça te va? Super! Bueno! À tout à l'heure! Adios! Adios! Oh, peanut! OK, dans 3, 2, 1, action! Tu me fais peur. Toi aussi, mon frère. J'ai soif là. Pour un verre de lait? Ouais. Nos parents sont pas là? Non. Coupé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est poche. Ouais, c'est vrai. Non, mais ton début était super bon. C'est juste qu'il faut pas que tu regardes la caméra. Hey, je vais pas regarder la caméra, OK? Non, c'est normal. T'es juste un débutant. C'est moi qui dis quoi faire. Okay. Wow, tu prends ça à cœur, mon Diego. C'est parce qu'il faut qu'il y ait juste une personne qui donne les ordres ici, OK? Ah, oh, mais je voulais pas donner d'ordres, je voulais juste aider. C'est parce que si tout le monde commence à donner son opinion sur tout, on finira jamais à temps. OK, mais... Non, non, non. Vous, votre tâche, c'est d'avoir l'air vrai. Moi, ma tâche, c'est de vous dire quand vous êtes poche. Mais... Puis là, vous l'étiez. Quoi? Moi aussi, j'étais poche? Ouais. On fait un film... Pas du théâtre? Ouais. Je sais, pourquoi tu me dis ça? Ben, c'est parce que c'était ben trop exagéré, ton affaire. Ouais. Exagéré. Non, hey, gang, là, c'est un coup de pratique, là, on se remet dedans, c'est tout. C'est Jeff Saint-Cyr, mon prof. Je le sais, c'est normal d'en arracher un peu au début. OK, là, on va la refaire, puis sois pas comique, s'il vous plaît. Merci. Non, t'es pas comique, hein, Tigou?
OK, en place, on la refait. Fais-le donc tout seul, t'en fais une plate. Non, non, abeille. Abeille, attends. Qu'est-ce que j'ai fait? Mais là, tu as dit qu'il était comique. Mais là, c'est pas une insulte. Mais disons que quand tu fais un film d'horreur, être comique, c'est pas un compliment, là. Là c'est pas de ma faute, là. Il est ben trop sensible. C'est comme ça, les actrices. Mais là, les actrices. Ce qu'on fait, là. On appelle Frida. Ouais? Frida. T'as traité de poche? Je t'en reviens pas. Pour qui se prend, lui? Ils m'ont même dit, on n'est pas au théâtre, on est au cinéma. Est-ce que t'as écouté l'entrevue de Morgane Mallette hier soir à la télé? Oh non, j'ai manqué une entrevue avec Morgane Mallette. Elle parlait un petit peu de ça, justement. De quoi? La différence entre le théâtre et le cinéma. Qu'est-ce qu'elle disait? Elle disait qu'il fallait pas en faire autant quand on joue devant une caméra. Il paraît que si une actrice joue au cinéma comme si elle joue au théâtre, tout ce qu'elle va faire va avoir l'air exagéré. Exagéré? C'est comme ça qu'elle expliquait ça. À quoi tu penses? Thiago avait peut-être un peu raison. Hey, il connaît rien là-dedans, lui. De toute façon, il n'y avait pas de parler comme ça. C'est pas une façon de parler aux gens avec qui on travaille. Puis en plus, là... C'est ça qui va être super poche, leur film. Ça m'aurait quand même fait un DVD pour l'agence d'artistes. Je suis certaine que tu vas pouvoir te reprendre bientôt. Ouais. Bon, ben c'est le temps d'aller faire de la popote. Viens donc avec moi. Ça va te changer les idées. Allez. Ce qu'a fait Frida, ça fait une demi-heure que tu as laissé ton message. Je comprends vraiment pas pourquoi elle rappelle pas. Voir la scène que j'ai faite avec Abeille. Pourquoi? Et pour voir comment j'étais, là, pour m'améliorer. OK, d'abord. Oh! Ah ouais, Frida, allez, allez! Ça marche pas, ta caméra. Passe-moi ça. T'es sûr que tu sais comment t'en servir, Diego? Ben oui. Ça... Oh non! Quoi? Puis, il est arrivé la même chose avec celle de mon père l'année passée. Puis? Il a fallu la faire réparer. Oh. Allô? Oh, allô, Frida? Oui? Ah, OK, t'as eu le message de Diego? Ah. OK. Bon, ben, on se reprendra si on en fait un autre. OK, bye. Je peux pas aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête, Diego. Hein? Là, on n'a plus d'actrice, puis on n'a plus de caméra. Non, mais je vais emprunter celle de mon père. OK, puis pour l'actrice? Ben, on va trouver. Moi, je dis qu'on rappelle Abeille. Regarde, là, je suis sûr qu'elle peut être bonne. Je sais qu'elle peut être bonne. Bon, go. Ouais, mais je suis sûr qu'elle voudra pas revenir. Hey, regarde, Diego, là, si tu t'excuses, là, je pense qu'on a des bonnes chances. Ouais, c'est vrai que j'ai été un peu raide. Un peu? Ben, c'est elle qui a eu une réaction de bébé aussi. Ouais. OK, d'abord. La pâte est faite avec de la farine de blé. Mais c'est pas comme ça partout, hein? En Colombie, ils prennent de la farine de maïs. Farine de maïs. Si, et au lieu de faire que... Hey, Chiquita! Au lieu de faire cuire les empanadas dans les fours, ils les font frire dans l'huile. Ouais, un peu trop vite. C'est moi! Hola! Hola! Qu'est-ce que vous faites là? Les empanadas! Je suis venu chercher la caméra de papa. Pour faire quoi? On fait un film d'horreur avec Samuel. Un film d'horreur? As-tu reçu mon message? Quel message? Ben, je t'ai appelé il y a peut-être 15 minutes. J'avais fermé ma sonnerie. OK.
t'as demandé si tu voulais revenir faire le film avec nous autres. Je suis pas sûre que ça me tente. Je m'excuse pour tantôt. Je suis sûr que t'es super bonne, puis j'aurais vraiment pas dû te parler comme ça. Ça se fait pas. Ok, d'abord. C'est pourquoi le casque? Ah, c'est pour faire plus mystérieux. C'est le dé à Diego, là. Ok, dans 3, 2, 1, action! Oh, attends, je vois.
finir la première scène. Va falloir tout botcher le reste si on veut finir à temps. Ça va être push, puis on gagnera pas. C'est vrai qu'on finira jamais à temps. Ouais, puis l'histoire était pas si épeurante que ça. Ouais, c'est vrai. Mais là, le dégueu était tout à la fin, c'est pour ça. Non, mais c'était bon quand même, le dégoût. Oh oui, ton début était cool quand même. Ouais. Ok, j'ai compris, c'est beau, là, on va arrêter. Je pense que ça va être mieux comme ça. Hein. De toute façon, Diego, il y en a toujours plein des activités comme ça au centre. Mm-hmm. On va juste à se reprendre, puis on s'y prendra plus tôt. On fait les affaires mieux. C'est vrai que l'histoire aurait pu être meilleure. Oui. Mais quand on va se reprendre, là, on devrait l'inventer à trois. Cool. Ouais, ben, c'est sûr que moi, je suis plus une actrice. Mais on pourrait quand même essayer. C'est que... Vous êtes vraiment compliquées, les actrices. Compliquées? Comment ça, tu es compliquée? Ah, oh, je disais ça de même. Ouais. Oh, salut les gars! Salut, est-ce que t'as eu notre message pour la caméra? Oh oui, je suis désolée, c'est la deuxième fois que ça nous fait ça. Ah non, mais c'est pas grave, hein. Il est arrivé la même chose avec la caméra de mon père. De toute façon, on n'aurait pas eu le temps de finir, moi puis Diego. Mais c'était quand même une bonne pratique. Oh, je suis contente de voir que vous vous êtes pas découragé. Parce que... C'est quoi, ça? C'est un concours de film? Quand vous êtes partis, j'ai vérifié le budget du centre, puis je me suis rendu compte qu'il restait 100$ à dépenser pour une activité pour les jeunes. OK, puis c'est toi qui l'organise? Oui, puis cette fois-là, je suis certaine de pas me tromper dans mes dates. Hey, c'est bien cool! Ah oui, mais ça... Bon, c'est sûr que 100$, c'est pas comme 1000, là. Non, c'est pas grave, là, c'est pour le trip. Ah oui. La seule chose que je demande aux jeunes, c'est de faire une comédie. Parce que moi, les films d'horreur... Ah non, mais c'est pas grave. De toute façon, j'ai plein de nouvelles idées pour des films de comédie. Ah ouais, j'en oui. Un frère et une sœur. OK? Des jumeaux. Okay. Oh, et puis le gars, il y aurait un casque d'aviateur. Non, non, de viking. Ah oh, oui, c'est vrai. Puis là, ils se réveillent. Puis ils se rendent compte que leurs parents sont pas dans la maison. Oh, là, quand la fille, elle ouvre le frigo, là... J'ai visité le site de Tactique. C'est hot! Devenez tranquille. À Tactique demain. T'as pas arrêté de me reprendre pendant le cours. T'exagères. Non, j'exagère pas. À la maison, ça peut passer, mais ici, ça se fait pas de me reprendre devant tout le monde, OK? Ça nuit à ma crédibilité. Quelle crédibilité? Tactique, en semaine 18h30 ou midi.